Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je ne suis pas seule, donc je suis avec Lina. Donc Lina qui a 5 ans et demi, qui est en moyenne section et qui passe en grande section. Alors nous avons décidé de faire cette vidéo ensemble pour vous montrer ce qu'en réalité des enfants qui passent en grande section, ce qu'ils sont donc capables de faire. Tu es prête, Lina? Oui. Allez, on y va. On écrit le 1. On va commencer donc par les chiffres. Donc dans les vidéos précédentes, nous avons donc vu comment donc s'écrivent les lettres de l'alphabet. Nous avons aussi brièvement vu comment on faisait des formes géométriques. Et aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce qu'on peut écrire les chiffres. D'accord? Alors, le 1 s'écrit donc. Donc, on fait d'abord une oblique du bas vers le haut. Et puis, on redescend du haut vers le bas. Super. On fait le 2? Allez, on fait le 2. Alors, le 2, donc, c'est un demi-cercle. Puis, une oblique. Et une horizontale. Génial. On fait le 3? On fait le 3. Alors, le 3 s'écrit donc ainsi. Deux demi-cercles. Le premier et on reprend un deuxième. On fait le 4? Allez, le 4. Donc, une verticale, une horizontale. Et au milieu de l'horizontale, on va mettre. Une verticale. C'est ça. On fait le 5? Allez, alors, une horizontale, une verticale et un demi-rond dans ce sens. C'est très bien. Enfin, c'est pas mal. Le 6, ça fait comme ça. Allez, on fait le 6 ensemble. Alors, le 6 s'écrit un peu dans le sens du C, puis on remonte et on ferme la boucle. Oui, on fait le 7. Mais c'est un petit peu plus grand. C'est pas grave. Allez, on commence donc par une horizontale et puis une oblique. Oui, on peut ajouter donc ici une horizontale au milieu de l'oblique. On fait le 8. Alors, le 8 s'écrit dans ce sens. Un premier cercle, je descends en oblique et j'en refais un autre dans l'autre Moi, je sens. l'ai fait en S, je l'ai fait comme ça. Après, j'ai fait un S à l'envers. Et j'ai C'est réussi. bon, il est joli ton 8. On fait le 9 ensemble. Allez, donc on fait. On commence d'abord par dessiner un rond. Et puis ensuite, de ce côté-ci, on descend donc en faisant une verticale. Et là, une horizontale. C'est pas grave, Lina, tu peux le refaire ici à côté, ma fille. Vas-y, allez, on y va. Tu fais donc un rond. Voilà. Et puis de ce côté-ci, tu fais une verticale et puis une horizontale. Ça, on va le transformer en quoi? En sucette. Ok? Comment? Super. On va Alors. colorier. Comme une sucette. Allez, tu peux me redire les chiffres, s'il te plaît, qu'on a écrits? Allez, vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Super. Alors, qu'est-ce que. Jusqu'à 100. Oui, mais tu sais qu'avec tous ces chiffres, tu peux écrire jusqu'à. Enfin, tu peux écrire tout ce que tu veux en réalité. Alors, on va faire une chose. Qu'est-ce qu'on dit aux gens qui nous suivent? N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. OK? Ok. À la prochaine vidéo, les enfants.